c'est une opportunité pour nous-mêmes dans la commune pour nous gagner en salle informatique. Ça dit un pile bagaille pour nous. Et m'a profité pour remercier le directeur Lantou, remercier les députés, remercier toute l'autre autorité qui contribuait à faire nous joindre la salle informatique ça, dans le séance à Pitlan qui parle avec nous aujourd'hui. Nous disons merci. Parce que il y a un côté qui n'a pas eu de chance ça, que nous-mêmes en sapit nous joignons aujourd'hui. Il y a un côté tout qui a cherché, il n'est pas capable de joindre grâce avec support, collaboration, autorité, nous disons nous comptons en pile. En plus, élèves tout, aujourd'hui nous supposons contents, nous supposons fiers de nous-mêmes parce que nous sommes dans l'école, nous, en salle informatique, côté que nous sommes capables d'élargir cadre, non seulement éducation, mais informatique, nous marchons ensemble. De nos jours, nous avons informatique, éducation, c'est comme ça dit nous, l'IPA. Donc, nous supposons contents. Et moi-même, tout, dans nos communautés, dans nos commissions municipales, moi, je dis merci, directeur, merci pour tout le monde, merci, député, pour la contribution au côté avec la communauté. Merci pour le cadeau, ça, et merci pour le cadeau Noël. C'est pour la première fois que en Sapitre, on l'école dans Sapitre pour être doté de une salle d'informatique. Et je veux remercier le sénateur Wenceslas Lambert, le conseiller spécial politique du président de la République, l'ancien sénateur Joseph Lambert, pour toute démarche et appui que tu as nous, pour te permettre que, en sapit jodi a la, gagne salle d'informatique ça. Monsieur Guillaume, pour l'autre fois, nan nom mon sapit, merci, 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 merci. Merci. A élève yo, et ma petit élève yo, ma petit prodigue yo rapidement quelques conseils. Actuellement, dans le monde qui vit Gounia, tout développement autant de un pays a accédé à lui-même, le pays a passé par l'éducation. C'est que l'éducation constitue un pilier fondamental de toute société qui veut développer. Et avec ça, le défendant que ça a Gounia, il peut apporter un du plus déjà à nous, dans sa professeur qui a nous. La permettre nous de connecter avec le monde entier. La permettre-nous nous échanger, la permettre-nous nous informer et la permettre-nous nous former pour peut-être pas nous. Je pense que ni moi-même en tant qu'autorité, ni M. Guillaume comme directeur coordinateur, ni magistrat, tout le monde qui l'a invité, ce n'est pas eux qui peuvent faire usage de matériel ça. Et matériel ça, je vais dire, en soi, les constitutions de même à venir, la préparation à venir, éducation, nous, si nous bien servir ensemble avec nous. Ça fait que maintenant de nous, nous avons souhaité que l'homme passe là pendant un mois, deux mois, trois mois, pour le directeur du lycée, il va dire, ah, député, écrasez l'ordinateur, il va démentir les gens pour comprendre ce que je dis. Il va faire bien. Et ni tout, nous connaissons que dans tout côté, dans la commune de Gounia, il y a un paquet de gens qui des monde qui marché qui volé dans pas des solaire et là là étudier les députés font d'essayer rapidement mettre ndagadi ou de faire forger là dans toute faire de c'est pas ça là ou sans le ouais ndagadi demain matin lever regarder là ou presque pas nous prendre ordinateur voler rentrer le prendre et moi dis que m'a pense à ça avec directeur et m'a demandé au même tout élève gardien professeur, il y a tout le monde en soi qui l'a. Parce que ça, il n'y a pas seulement lycéen, il y a pour communauté. Parce que c'est petite communauté qui vient de l'école là-dedans. C'est petite communauté qui va apprendre aux bagages là-dedans. C'est que maintenant, nous, pour nous censer, nous avons dit, protéger, matérialiser et faire bon soin. Ça a encouragé et ça a encouragé le directeur à tout. D'ailleurs, où est-ce que nous avons parlé ensemble avec le directeur, nous avons dit, ça là. D'après tout. Bon, beaucoup de réponses, mais j'aime le sourire avec d'aller là, peut-être ça va marcher. Et ma petite directeur à tout, ça, sans se choper Nicolas, ce dia là, nous connaissons, nous sommes autorités, tout le monde va en bas.
nous avons eu économiquement très 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 difficile. Mais nous avons dit, nous avons apprécié ce geste, vous voyez. Et nous avons un double de cadeau de Noël. Si vraiment vous même le patron pour Noël là, Dieu t'a aidé nous, au moins, jouer nos sources d'énergie qui nous permettre que l'énergie solaire, par exemple, nous avons un soleil qui a gaspillé, qui n'est pas nos solaires. Nous avons une batterie là qui permet vraiment, vous voyez, si nous avons fait bon usage et au travail sans problème sous matériel ça. Projet ça, ce projet qui commençait depuis le que je mettais comme directeur général Conatel, le gouvernement était bon responsable pour faire des fonds rentrés pour le programme que nous connaissons, qui est le programme d'école gratuite, le programme Sugo. Donc c'est Conatel qui pratiquement géré rentrer COP que opérateur. L'homme qui gère ça dit que COP l'a rentré à travers Conatel, qui connaît là, voyez lui la finance qui voit l'éducation nationale. Donc, c'est Conatel qui contrôlait et qui assurait que l'opérateur respectait les conditions que le gouvernement mettait pour que COP l'a capable d'entrer dans le programme secours. Mais cependant, moi-même, je suis regardé qui gens qui m'étaient capables de porter appui PAM tout à jeunes. Et parce que je connais que le monde a changé et la méthode d'enseignement yo, ou tijan, toujours en retard par rapport à d'autres pays. Et le plus souvent, ça fait que nous avons retard, ça, c'est à cause du problème de ressources. Donc, moi-même, je suis regardé qui gens qui m'étaient capables de porter contribution PAM. Et nous connaissons que les ressources sont très limitées. C'est ainsi que je commence à rentrer en contact avec plusieurs personnes là-bas. Et moi fait des démarches pour venir joindre 2000 ordinateurs. Et ces 2000 ordinateurs ça que nous avons là, ils ont rentré et à travers dons que nous joignons, c'est pas des ordinateurs que nous achetons, ce sont des dons. À travers dons ça que nous avons là, nous commençons à mettre ordinateurs ça dans différentes écoles publiques. Et l'objectif que nous avons, c'est que nous joignons beaucoup plus que 2000 parce que nous avons et ouais que toute l'école publique depuis que y a un espace là est capable de gagner au moins au laboratoire informatique et moi pensais que en sapit c'est un très bon côté parce que nous t'a parlé avec député hein, et à étonnement député a dit moi que élèves yo leur besoin d'utiliser ordinateur c'est dominicani qui aller et bien moment ça est fini et nous même connait là nous gain au laboratoire informatique pour nous mêmes. Et le député a montré Musa, ça qui fait que nous avons ri, c'est parce qu'il n'a pas montré Musa. Et je pense que nous sommes capables de mettre la Musa et Musa. Donc, nous là pour porter support à l'ICEO, et depuis que l'ICEO est capable de capacité pour lui prendre des ordinateurs. Et ordinateurs, ça, nous programme que nous mettons sous pied pour les élèves, ils ont un aspect spécial. Ça fait le grand aspect spécial, c'est parce que nous n'avons pas voulu faire programme ça dans l'esprit de propagande. Et le premier bar que nous sommes capables de dire, c'est que nous gagnons Internet gratis dans le programme ça, parce que nous travaillons avec Natcom, donc Natcom a accès à Internet, et puis nous-mêmes nous avons un ordinateur. Donc nous gagnons Internet là, gratis 24 sur 24, donc l'école n'a pas gagné pour la payer Internet. Ça, c'est pour nous bagarre. Deuxième bar, c'est que pour les gens qui sont habitués à utiliser l'ordinateur, et nous qu'on utilisait sur les Windows c'est système opérationnel là. L'ordinateur ça nous mettait l'autre système opérationnel que relait Linux là il est beaucoup plus stable et puis nous pas pour différence entre Linux avec Windows mais cependant avantage que élève yo gagne c'est que nous déjà gagne tout logiciel de type là-dedans donc ce n'est pas seulement Internet que nous gagnons, mais nous gagnons des logiciels boutiques. Par exemple, élèves qui sortent les discours, la prochaine fois, il n'y a pas besoin d'écrire sur papier, il y a au papier qui est bien tapé, qui est beaucoup plus propre. Donc, nous gagnons tout logiciel boutique déjà installé pour nous. L'avantage que nous gagnons tout, c'est que nous mettons des applications, tout, et des applications chimie, physique, et algèbre, mathématiques. De manière que l'élève là qu'on a là est capable de renforcer et ça que l'apprendre dans la salle de classe. Donc nous essayons de mettre ce programme là dans le cadre réellement et qui répond à besoin immédiat et élève là. Donc ça me capable de dire aujourd'hui hein, c'est que
Li prend 7 heures de temps pour m'arriver là. Ce qui veut dire que il y a peut-être 10, 15, 20 ans, zone ça pratiquement sur zone qui était isolée au niveau éducation. Au niveau éducation, l'un sorti l'école, yo ban nou ti note nous que nous prenons cahier nous, l'arrivé la caille, c'est ti note ça qu'on a étudié par cœur et puis nous n'a réciter l'examen. Eh bien, jodi an, ça qui vient arriver, c'est que avec accès que nous venons avec technologie, hein, avec laboratoire informatique ça que nous venons, cahier c'est nous, nous capables toujours un petit cahier, n'a pas gagné pour étudier, mais cependant information que nous capables joindre dans ordinateur ça, c'est bagage extraordinaire. C'est bagage extraordinaire. Même information que nous capables joindre aujourd'hui, hein, c'est lui même que ti américain a joindre, c'est lui même que ti français, hein, ti allemand, ti canadien, c'est lui même que tout ti monde a joindre. Ce qui veut dire que si nous faisons une bonne utilisation d'ordinateur ça yo en termes d'information, en termes de capacité pour nous développer tête nous, nous même gens avec tout ti monde à travers le monde.